Et y'a tout le monde, c'est Crips. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur Windcraft. Donc aujourd'hui c'est l'explication, sa chaussure dans la quête. Eye of the Storm. Eye of the Storm, c'est exactement ça. L'œil de la tempête, en gros, donc on va parler à Arwest dans sa petite cathédrale. Bienvenue mon enfant, bienvenue dans la maison de Talor, ou ce qu'il en reste. Comme tu peux le voir, les temps sont durs dans cette forêt, et plus particulièrement ici dans l'ouest. Je suis le seul qui est resté dans cette église. Oui, et bien aussi mon vieux Goli, bien sûr. Goli, je pense que c'est Golem en mode un peu affectueux. Le Golem qui est ici. Hein. C'était avant un sanctuaire religieux, mais tous mes frères se sont tournés vers les ténèbres. Ils pensent qu'à cause du dépérissement de la forêt, nos gods nous ont abandonnés. Et ils travaillent maintenant pour les démons. C'est comme si la... Des caves, c'est toujours le mot que je suis à traduire. Le dépérissement. Va plus loin que juste à la forêt. C'est comme s'ils avaient perdu leur esprit. Ils ont récemment kidnappé quelqu'un pour le sacrifier au nom de leur dieu. Tu es un humain, n'est-ce pas? Tu dois les sauver. Ils utilisent une crypte au nord-ouest d'ici. Dépêche-toi. Ok, donc on va sauver quelqu'un qui va se tuer visiblement. Chercher vers les ruines pour trouver les cultistes, donc les mecs qui pratiquent le culte, quoi, le culte du démon. Du coup, la crypte est juste ici. Hop. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Propos d'interrogation, donc sûrement le mec qui va se faire buter lâchement, froidement. Les coordonnées, hein, c'est juste, faut aller un peu plus au-dessus. Rocher géant, c'est mignon. On continue. Tac, tac, tac. C'est par où? C'est par là, on se paume tout le temps dans cette crypte, hein. Non, ce n'était pas par là. Qu'est-ce que c'est, speed, s'il vous plaît? Attendez, on est descendu où? On est descendu là. Je crois qu'on est descendu là. Non, ça c'est l'échelle, d'accord, très bien. On commence déjà à se paumer. Bonjour. Bonjour, c'est par où? Ah oui, c'est très très bien, donc il faut aller dans le couloir là. Et il y a juste la petite entrée planquée sur le côté. Je suis un peu con parfois. On continue par là. On avance. On continue la crypte. Un humain, oh, s'il te plaît, aide-moi, ils vont me tuer. Alors, ou dead figure. Donc, des figures bizarres. Donc, c'est sûrement les cultistes. Ils ont la face cachée. Donc, cette quête a beaucoup bugué pour moi la plupart du temps quand je la faisais. Merde, je suis sorti. On peut pas rentrer. Merde, bon, on va aller pas dans le trou. Cette quête buguait beaucoup, notamment avec le spawn du chien qui était bugué. Et le spawn. Enfin, le chien spawnait généralement. Mais c'est surtout les PNJ, le PNJ à qui il faudra parler à la fin avec l'os. Et les wooded figures là qui buguaient souvent. Bref, on peut y retourner directement. Donc n'allez pas dans le trou comme moi, j'y suis allé pour récupérer l'os pour lui parler. Donc quand vous avez l'os, vous allez lui parler à Talos, tac. Oh, un aventurier, merci par les dieux, tu es venu me sauver. J'ai été amené ici par un cloquet, par un homme un peu fou. They were apologized to me. Ils s'excusaient, mais ils disaient que c'était pour le bien. Et où est-ce que je suis? On dirait qu'un rituel satanique au sol. Je devrais partir vers Sinfras. Merci beaucoup pour ton aide. S'il te plaît, va parler au prêtre Arwes. Et dis-lui que ça va. Voilà, donc on va aller dire au prêtre que tout va bien. Hop, du coup on prend le speed. Donc là, c'est juste à côté de l'entrée de la cathédrale. Vous faites le tour, hein, manger. Donc on les évidemment avec les pouvoirs d'archer, toujours pratique. Dégagez Warwolf s'il vous plaît. Et du coup on lui parle. Tu es de retour, est-ce qu'il va bien Talos? Ah, ils ont sûrement dû le piéger. Maintenant je dois te demander quelque chose. D'accord, mais quelque chose qu'il pourrait pas faire lui-même. D'accord, donc visiblement un gros problème, il va demander quelque chose. Apparemment ça vient de ton homeland. Donc homeland c'est de là où je viens, donc de Win, de la province de Win. Dans la jungle, profondément dans la jungle, il y a quelque chose qui est appelé l'œil de sang. Ils ont probablement pris la ville qu'ils sont en train d'occuper, l'Exal. Les citoyens sont en train de mourir de faim. Et personne dans cette phrase aucun des gens dans cette phrase fait quelque chose. J'ai un contact là-bas, Cake, hein, joli prénom. The Former Mayor, donc c'est le maire. Va lui parler, tu dois retrouver l'œil de sang. Tu dois t'introduire dans l'Exdal d'ailleurs. D'accord, très bien. Les Warwolves ont fermé vos gueules, ça ne fait que de spammer. Du coup on va aller dans l'Exdal, donc c'est la seule quête dans l'Exdal, ville de merde, hein. Pierre Ville de Gavel plutôt.
C'est bien mon avis. Du coup, 611, 458. Bref, on se retrouve quand on y est, parce qu'il va falloir s'introduire discrètement, parce qu'il y a des gardes qui restent à l'entrée. Donc, nous sommes à l'Exdal. Alors, pour entrer, sneaky, parce que là, normalement, on peut pas entrer. Hein. Deacon of the Order. D'accord, donc les personnes de l'ordre, acolytes saisants. L'Exdal est... personne peut entrer dans l'Exdal. Tu dois, s'il te plaît, casse-toi, humain. Donc, normalement, si on rentre, ça va être la merde, ouais. Et donc là les d'ordre, donc les pseudo jaunes, si vous savez pas, c'est des mobs qui vous attaquent si vous les attaquez hein. Donc lui du coup après il va devenir vénère. En plus il a pas mal de... Non ça va en fait ça va. Donc du coup je vous retrouve quand je vais trouver le moyen de sneak into, enfin d'aller de rentrer discrètement, parce qu'en fait à chaque fois j'ai trouvé une faille moi perso, donc on va trouver le chemin légal. Bon j'ai un petit spot, donc c'est là, c'est devant le mec à qui on était, donc on part juste sur le côté. Vous pouvez par exemple rentrer par ici ou plus loin, vous pouvez très facilement monter sur des palissades. Juste faites gaffe, oh, il y a du sang ici, je crois que c'est pour la suite de la quête. Faites gaffe à pas trop passer près des portes, sinon ça vous retépera en arrière. Du coup, on tue les warlocks, oh, putain c'est vraiment la merde à de l'Exdal. Plein de warlocks qui se baladent. Bref, on va parler à Kaikin qui est notre contact ici, un humain dans l'Exdal. Comment tu as fait pour passer ici? Ah, c'est Arwes qui t'envoie. Ne parle pas trop fort, les cultistes ont des oreilles partout. Il s'appelle l'Ordre. Et ça doit... we must ball. Ok, donc ils sont à la botte des personnes, des véritables trucs qui règlent tout dans la forêt, les ténèbres. Je crois qu'il y a, je crois pas qu'ils savent avec quoi ils deal, enfin avec quoi ils font affaire, on va dire. Regarde juste, tu vois la main géante, ils l'ont invoqué. Je pensais pas, comme si le débarrassement n'était pas aussi avancé, aussi voilà, vous m'avez compris. Je ne crois pas, va à l'intérieur de ma maison et va au balcon le plus haut. Tu auras une vue claire du petit rocheux depuis là-haut. D'accord, donc on va aller en haut de son balcon. Donc là, il va falloir aller en haut du bon balcon. Donc je vous invite à faire le même chemin que moi. En même temps on parle des gens de la guilde tranquille. Du coup on monte alors ici. Alors je vous avais que moi aussi je galère tout le temps en ce moment. Je l'ai fait deux fois cette quête, je galérais tout le temps une cloque. Une cloque pour le mystère des cloques, n'hésitez pas à voir ma vidéo d'ailleurs. Évidemment. Est-ce que c'est ici? Ah c'est ici. The Pit of the Nine est visible à cette distance. Nord-ouest. Est-ce que c'est ça? Je crois que c'est ça. Ah. Bah, c'est carrément la merde en tout cas. Bon du coup on va redescendre. Tac, du coup on reparle à Cake, effectivement j'ai vu bien ça plutôt la merde là, tu vois. Est-ce que tu es contre eux maintenant? Tu as to do a couple of runs with others in the hands body. D'accord, donc ça pourrait faire le tour de plus. Ça pourrait faire plusieurs fois le tour de Ozot juste avec cette main. Donc Ozot, si vous savez pas, Ozot c'est le dragon qui attaque Thanos. C'est Thanos hein? Attendez. Oui c'est Thanos parce que j'ai commencé en fail ma quête. Du coup c'est bien Thanos. Donc c'est le dragon qui attaque Thanos. On verra ça plus tard dans une quête plutôt level 80. Donc si tu veux vraiment aider, les cultistes sont vraiment trop forts. Enfin puissants. Il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait t'aider. C'est un magicien qui nous amène souvent de la nourriture pour nous, discrètement. Parce que sinon ils mourraient tous de sang vu que les cultistes les enferment. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs les enferment. Il sait quoi faire, tu devrais probablement partir d'ici. Tu devrais probablement ne pas partir d'ici par l'entrée principale. Son nom est Rizmor, il y a un chemin vers... pour partir de l'Exdal dans mon sous-sol. Va dans ma maison et va vite aller lui parler. Grouille-toi et sois et be quiet. Donc parle pas trop fort, oui, parce que normalement on est ici en toute l'illégalité. Alors pour descendre dans son basement, alors son basement je crois qu'il est... Et par là son basement. Il est où son basement? Ok, donc son basement. Son basement, il faut juste aller en fait derrière lui. Tiens bonjour l'Exdal Citizen, on passe juste. Hop. J'ai juste trouvé Rizmor, utilise le tunnel en dessous de mon basement pour sortir. Ouais c'est bon j'ai compris. Donc du coup je suppose qu'il faut juste faire tout le chemin. Forgotten Troll, ok. Très bizarre comme basement en tout cas. Du coup on va se casser. Hop, allez on se casse, allez. On va peut-être prendre le cheval, ça ira peut-être plus vite.
Hop, du coup faut juste faire le petit chemin, on va parler au mec, après il y aura vers la fin il y aura la quête, il y aura un gros enchaînement de boss. Ah oui, le petit puzzle, j'avais oublié ce puzzle. Ah, ce magnifique puzzle. Donc c'est un puzzle en fait, quand vous appuyez sur une balle, c'est assez connu, elle va sur un côté jusqu'à qu'il n'y ait plus rien pour l'arrêter. Et donc faut l'amener dans le trou. Tac, faut l'amener dans le trou, mais évidemment faut que là par exemple ça arrive sur ce bloc là. Mais pour qu'elle arrive sur ce bloc là, faut que ça arrive sur ce bloc là. Enfin bref, c'est assez compliqué. Je vais changer de serveur et je vous retrouve dès que j'ai une solution solide. Donc le premier est plutôt facile. Tac. J'ai à peine 2 secondes de réflexion et c'est bon, vous faites la même combinaison que moi. Tac, tac. Et bim. Allez, on passe au deuxième. Donc ça devrait être bon. En réfléchissant, ça se fait heavy. Du coup, ça va être l'intérêt, c'est de le coincer là, puis d'aller là, tac, tac. Je crois que vous avez compris. En tout cas, on va le faire maintenant. Du coup, vous êtes obligé de passer par là-haut pour vous bloquer dans l'espèce de coin bizarre là. Hop. Vous allez voir, c'est plutôt ingénieux. Du coup, là, on le fait revenir bien là. On le remonte ici. On le grille contre le bloc. Et bim! Le 2 qui est fait. Et du coup, maintenant, le 3. Ok, donc là, c'est un peu plus compliqué. Suivez bien. Normalement je me gourre pas. Oui, je réfléchis en même temps au parcours après. Je prévois mes coups à l'avance comme un vrai joueur d'échecs. Et là on va tac tac. Oui c'est ça. Oui c'est bon, je suis bon. Je vous l'ai dit, je suis bon. Tac. Tac. Oui. Tac. Oui, je suis content parce que ça prend un peu de réflexion. Et bim. Hop. C'est ouvert, bon. Quand même bizarre son basement, hein, enfin son sous-sol. En tout cas, on y va. La porte qui s'ouvre. On claque le speed et hop, on est à l'extérieur de l'Exdal. Donc du coup, pour aller chercher le mec, échappez-vous et trouvez la maison de Rizmor. Donc la maison de Rizmor, c'était au nord-ouest, je crois. On va monter pour vous donner une direction à partir du trou. Ah bah ça va en fait. Ah, bon, du coup, la main, on la voit un peu mieux. Effectivement, la main, c'est un peu la merde. On ne donne même pas d'ellipse parce que je crois que c'est pile à côté. Rizmor, c'est pile à côté. Là. Ah oui, Rizmor, il est là-bas. Dès que vous voyez là, Begging to Amnesio. D'accord, vous perdez tout espoir en gros. Vous ferez mieux d'aller en arrière. Oui bah très bien, en tout cas on va aller en arrière. On peut aller à Rizmor qui est juste ici. Les coordonnées, maintenant on peut les désactiver. Et on lui parle tout de suite. Un humain, qu'est-ce que tu fous ici? Tu devrais pas être en train de faire des échanges à Sinfras ou quelque chose du genre. Je suis le seul mage en Gavel qui se soucie de cette grosse main qui vient du sol, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est, l'œil du sang? N'a jamais entendu ça, ça doit être sûrement de la magie noire. Mais si ce que tu dis est vrai, ils ont c'est d'accord, les acoustiques sont des amateurs, mais ils sont très puissants et déterminés. Ils veulent vraiment summoner cette bête, enfin invoquer cette bête. Donc la bête, on voit que son bras, sa main pour l'instant. Si tu veux l'arrêter, tu dois aller dans le pit. Attends, je vais traduire pit parce que je suis jamais sûr de pit. Tu dois aller dans le pit toi-même. Mais le pit, qu'est-ce que c'est? Parce que tout à l'heure j'ai traduit par pit rocheux, mais dans la fosse. Ah oui, ça. Tu dois aller dans la fosse toi-même, la fosse ou trou, mine ou cratère en gros. Ça vaut vrai ça. J'en étais où? Si vous voulez ça, je dois aller dans la fosse toi-même. Mais tu peux pas juste y aller comme ça. Cette fosse est faite de démons et tout. C'est en gros c'est très démoniaque et ça te détruirait l'esprit. Tu dois te préparer pour ça. Un ancien sort devrait faire l'affaire, mais il y a un problème, les cultistes me l'ont volé. Heureusement je sais où ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé dans un arbre qui s'en sert pour faire des sacrifices. Tu pourrais me la ramener. Un lost spell scroll, donc un parchemin de sorts perdus en gros, de l'arbre au sud, et nous pourrons entrer dans la fosse. Très bien, du coup on va y aller, on va descendre. Du coup le sud c'est par là, je vous retrouve dès qu'on y est pour vous montrer les coordonnées. Hop, j'étais en train de monter avec mon sort d'archet et pendant qu'un dialogue s'est lancé. Du coup vous faites le tour par le pont normal. Un truc, attendez, j'ai retenu s'il vous plaît. Un truc à peur d'ici, et soit non man, soit un armed, sûrement un armed, je sais pas trop. Bon, soit un armed et viens me faire face. Oh, bah, très bien, je veux bien te faire face. Ah bah t'es mort. Oh bah c'est étonnant ça. Lost spell scroll, parfait.
Du coup, même pas besoin de monter, du coup, vous le butez. En fait, il se fait pousser par cette tour, la Ant Abomination. Du coup, c'est plutôt facile à le tuer. Et du coup, on va retourner directement devant lui. Bon, vous avez vu les coordonnées, et c'est vraiment pile au sud hein, de sa maison. Ok, du coup, on lui reparle avec le Lost Spell Scroll. Ah, tu es de retour. Est-ce que tu as le parchemin? Enfin, le sort, plutôt. Bien sûr que je l'ai. Excellent. Bonne magique. Ok, donc il va lire l'incantation et ça nous aidera. Maintenant tu peux entrer dans la fosse. J'ai un ami intérieur, Arker, trouve-le. Il devrait pouvoir t'aider. Je devrais l'informer de ton arrivée. Il devrait t'attendre. Si ton pouvoir est assez puissant, tu devrais juste être capable de stopper le rituel. Et de glacer tous les démons à l'intérieur. Enfin de les totalement les arrêter en gros. Du coup on va directement aller dans le pit. Le pit qui est pile derrière lui. Donc pas très long pour y aller. Allez on monte. Hop hop hop, voilà c'est parfait. Du coup le mieux c'est de prendre le cheval pour descendre. Vous devez quand même avoir un cheval hein, si vous faites cette quête, bon, je suppose. Tac, et trouver, aller plus profondément dans le pit. Très bien, du coup il y a tous les acolytes, les cultistes, tout ce que vous voulez. Du coup, il suffit juste de continuer à l'intérieur, vers le fond, et normalement, on devrait trouver Arker dans pas très longtemps. Hop. Hop, on y est. Donc juste faites attention par contre au jump que vous avez vu avant. Au milieu, au niveau des carpettes, en fait, je crois qu'il y a un bloc de barrière ou je sais pas quoi, mais en tout cas ça vous rehausse et ça peut vous gêner quand vous faites le jump. Petit conseil. Donc bref, Arker, tu dois être l'humain. Tu es plus petit, tu es plus grand que Rizmor l'avait dit. Viens ici et commençons. D'accord, bon, visiblement ils peuvent se parler par télépathie et tout, c'est plutôt chelou. Salut Arker. Tout d'abord, je suis impressionné. Tu as l'air relativement unsketched. Bonjour, traduction live, que veut dire unsketched? Alors attendez. Bonjour, attendez, je retrouve plus le mot quoi. Unscathed, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es indemne, d'accord, très bien. Je peux pas dire que j'ai été chanceux. Je me suis fait couper les jambes. Ah très bien. Je me suis arrêté ici pour mettre un bandage. J'ai bien peur que je ne serai pas de très grande aide. Au moins sur le champ de bataille. Je peux toujours utiliser la magie que Rizmor m'a apprise. Donc je peux t'aider pour stopper la rituel. Les cultistes. Cultistes, attendez, je vais quand même voir. Ça me gêne quand même le mot cultiste. On va voir s'il y a une meilleure traduction. Cultiste. Non, les cultistes, ouais, c'est les fervents du culte en gros. Les cultistes ont déjà commencé. Va au centre de la chambre de rituel. Je te retrouve là-bas. Nous devons arrêter le rituel avant qu'il puisse le terminer. D'accord, très bien. Bon, du coup, on va continuer. Speed up. Hop, donc là, faut juste continuer parmi les tonnes de mobs qui traînent. On va par la porte et du coup, on devrait arriver vers l'endroit où ils font le rituel. Ce nouveau corps, je peux sentir le pouvoir de l'œil et des ténèbres. Ce monde est sous mon contrôle. Et bientôt je le regarderai brûler. Donc c'est sûrement le mec qui vient d'invoquer. Oh mon dieu, c'est trop tard, ils l'ont déjà invoqué. En tout cas je pense que c'est lui. Il est tellement petit, il doit pas être à son. Il doit pas avoir encore atteint ses pleins pouvoirs. Rizmor a dit qu'il finirait par tout consumer. Evan Newly Reborn. Newly Reborn. En fait, je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs Newly, je suis un peu gêné par le mot. Ouais, c'est beaucoup de traduction. Mais nouvellement. Il vient juste de naître, de renaître, il est incroyablement puissant. J'ai pas le temps de t'expliquer. C'est tu les Hierophant. Bonjour. Je crois que je connais ce mot. Hierophant. Et en tout cas, j'ai déjà vu ce mot. Hierophant, personne spécialisé, Sacred Mystery. D'accord, très bien. Un prêtre, un espèce de prêtre. Si tu fais les prêtres à côté, ramène-moi 5 icônes of Nargad, donc sûrement des trucs de Naragad, donc le mec qu'ils ont invoqué. Je serai capable d'acharner le démon pour que tu puisses le tuer. Très bien. Donc du coup on va aller au centre. Hop. Tac tac tac. Oui, ça fait beaucoup de traduction en live aujourd'hui parce que il y a pas mal de mots assez compliqués. Et puis je trouve ça mieux pour comprendre la guette. Bon voilà, je vous ai les voix.
Du coup, faut tuer les mecs à côté et faut récolter ça. Donc on peut voir Naragat qui est au centre. Oh, Naragat est plutôt petit par rapport à la main qu'on voyait. Je sais pas si c'est sa main d'ailleurs. Bon, bref, en tout cas, faut récolter les petits bracelets à côté de lui. Donc Naragat ne peut pas être tuable actuellement. Hein. C'est même totalement impossible. Beaucoup trop de vie, beaucoup trop de régène de vie. Vous pouvez essayer, hein, vous arrivez à voir. Je crois qu'il a d'ailleurs les défendus aux éléments parce que pour le peu de dégâts que je lui fais, avec ma Hellstorm, il doit être défendu à tous les éléments. Pendant que je faisais mon blabla, est-ce qu'on a eu tout ce qu'il nous fallait? Oui, on a eu les 5 icônes of Naragat. Du coup, on va retourner devant lui. Enfin, devant devant notre ami Arker. Et puis normalement, on va pouvoir l'affaiblir et puis après, aller le buter. Ah oui, vite, donne-moi les icônes, vite rapidement, que je commence ce sort. Dans l'âme de la Meloncintos. Ok, c'est bon, ça devrait être... Vite, va plus loin dans la cave. Tu dois le battre. Oui, c'est très bien, on va aller le battre. Oh, des trucs de sacrifice, très bien. Donc, on va y aller, on répond à ce petit anglish. Hop, no sorry. En fait, parce que je fais beaucoup de trade avec des gens sur le forum et tout, c'est pour ça qu'ils me demandent. Bref, ce n'est pas assez de magie pour m'arrêter. Le pouvoir des yeux est à moi. Je vais te mettre fin. Rismord, Dingives n'ont pas donné, n'ont pas menti sur ces cultistes. Magie, on dirait qu'ils sont un petit peu plus forts à la magie qu'on le pensait. Naragat est toujours incroyablement fort, même avec le sort, l'œil du sang. Il stay him to the plane of existence. Stay him to the plane of existence. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je suis toujours faible. Bon, en gros, on doit buter Naragat vu qu'il est affaibli. Hop, du coup, on va y aller. Donc Naragat qui est ici, qui est weak à l'eau. Et nous avons Maelstorm, du coup ça va être plutôt easy comme fight. Et voilà, c'est déjà réglé, plutôt rapide. Donc oui, amener des armes d'eau, sinon il est plutôt chaud. J'ai pas vu les défenses qu'il avait, mais bon, on pouvait remettre la pause sur la vidéo. Du coup, on donne ça à Arker. L'œil, tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Il est pas vraiment mort, bien sûr, mais tu peux... Et donc maintenant, il est mort pour très, 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 très longtemps. Je vais rester ici pour un petit peu pour être sûr que rien n'aille de mal. Mais tu peux y aller, ce n'est pas exactement plein de roses par ici. Tiens, prends cet œil de sang et ramène-le à Rismord à la surface pour qu'il sache que... pour qu'il puisse le garder en sécurité, parfait. Bon, on l'a tué. Ah, est-ce qu'il a respawn? Ah oui, donc il est défendu au feu, il fait des dégâts de feu et de tonnerre. Donc n'allez pas, surtout pas d'armes feu. Ah oui, pardon, pour ressortir, faut aller par là-bas. Surtout pas d'armes feu et puis amener surtout... Bah des petites armes d'eau, c'est plutôt cool. Parce qu'évidemment il est en train de cramer, c'est pour ça qu'il est bien des sensibles dégâts d'eau. Bref, on sort par ici je suppose. Tac, et puis du coup on va aller parler à Rismord. On va lui donner l'œil du sang, puis la quête va être finie, du coup je vais trouver un double XP. C'est bon, le double XP est là, hop, on va parler à Rismord. Salut Rismord, tu veux m'en parler? Tu as besoin de radiaire, je sais que tu as réussi. La main s'est complètement, complètement arrêtée, je ne suis pas entièrement sûr de qu'est-ce que c'était. Mais il semble que c'était des forces, des ténèbres qu'il utilisait pour détruire en gros. Peut-être que Naragat essayait de l'utiliser pour détruire physiquement des villes. Donc apparemment là, la main n'appartenait pas à Naragat. Mais bon, en tout cas je suis apprécié. Oh, merci pour le bébé. Never think que actually. Je doutais pas que t'allais pouvoir stopper le rituel, mais je pensais pas que tu pouvais actuellement survivre après qu'il l'ait invoqué. Peut-être qu'avoir underestimé, donc c'est pas surestimé mais c'est l'inverse. Peut-être avoir sous-estimé les cultistes m'a trompé. Mais en tout cas je vais garder l'œil de sang et faire attention à ce que personne ne le touche. Les gens de l'Exdal pourront revivre maintenant. Merci beaucoup. En tout cas j'espère pouvoir te rejoindre. Je prédis que ce sera pas la première fois qu'on rencontre ces sortes de monde de ténèbres. Parfait. Alors du coup on a eu un petit item aidé et le donc au bout l'intelligence. Ah merde non, on est en mage, on est en archer. Pourquoi j'ai mis tout ça là? Je ne sais pas. J'aime bien mettre de toute façon Dominica, on drop ça. Et normalement on a un petit. Oh il y a un petit necklace rare. Du coup on peut faire un petit slash kill. Alors on respawn à Exal. Si tu respawn à... Putain, on a l'Exal. J'ai pas peut-être TP, très bien, je vais me taper à pied puis on va identifier tout ça. Hop, on va identifier ça. Alors, je crois que ce truc, c'est un truc qui vole de la vie en échange du mana
Ou l'inverse. Ah, attendez, un mec veut du speed. Bonjour. Bonjour. Prends du speed. Ah voilà, c'est bon, tu as du speed, tu es content. Donc, on a Abyssal Humette, on a un peu moins de soupe hydrogène, un peu moins d'hydrogène, mais on a pas mal de poison et pas mal de lifesteal. J'aime bien ce petit item. Moi, perso, je l'ai utilisé au début de Gavel, sur mon warrior, utilisé par l'ordre des abysses pour leur rituel d'invocation. Et il contient une étrange énergie. Et atteint, il a sûrement Thaïs. Bonjour, traduction en live. Alors, Google Translate, qu'est-ce que ça veut dire Thaïs, bordel? Thaïs. Il servait sûrement... Alors attendez, c'est quoi? Il a sûrement servi d'attache. En fait, c'est attache, cravate, lien, liaison, cordon. Ouais, donc un truc... Il a sûrement servi d'attache avec des démons. Très bien. Bon, en tout cas, moi, il ne m'intéresse pas vraiment. Puisque j'ai un bon gestion des plays. Et j'ai pas besoin de ça. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, il me reste plus qu'à vous dire. Salut à tous. Attends, bien duel là. Bien duel. Viens duel, tiens, petit duel pour finir. Hop, allez, viens, je te prends. Oh merde, ça pue. Tu m'auras jamais. T'es où, enculé? C'est un assassin, du coup il se planque. Merde, ce duel qui n'en finit pas. Allez, viens, je vais finir ma vidéo, bordel. Je parlais même plus tellement que j'étais concentré. Est-ce que c'est le genre de mec? Ok, il est réapparu et il s'est enlevé. Est-ce que c'est le genre de mec? Oh, attendez, un mec écho. Bon, en tout cas, ça aurait été... Oula, la galère. Oh, je l'ai eu. Bon, bah voilà, hein. C'est la fin de la vidéo, salut à tous, cassez-vous, merci.